Salut à tous, c'est Crazy, bienvenue dans Rome 2 Total War pour la suite de notre campagne César en Gaule. C'est le 18ème épisode et donc depuis deux épisodes on est enterré en guerre. Enfin, c'est plutôt Massilia qui est enterré en guerre contre nous, ils nous ont poignardé dans le dos, les sales petits bâtards. Donc on va aujourd'hui continuer de se défendre contre eux. On avait réussi à récupérer Tolosa ici qui avait été capturé donc par leurs troupes dans l'épisode précédent. Aujourd'hui l'objectif va être de continuer de descendre au sud. L'est, là on va perdre je pense quelques provinces. Je pense qu'on va prendre, on va perdre Verceloum dans le prochain tour là. Ils vont arriver ici. J'espère que Marc-Antoine va pouvoir arriver assez vite pour récupérer tout ça. Parce que là ça va vraiment être un trou béant dans notre économie. Je voulais à ce titre recruter un patricien, mais j'ai pas assez d'argent du coup pour le faire. Et là je suis à court de tour, donc on va être obligé de terminer le tour ici. Pour le moment, je prie pour que les Arvernes ne me déclarent pas la guerre tout de suite. Ouais, les Nerville qui continuent du coup à venir en traître, ce qui est normal. Même si on est en paix contre eux, pour l'instant en tout cas. C'est vrai qu'on leur a mis une belle claque, donc là ils vont arriver les Massilia. Attention. Alors là ils sont en train d'utiliser des agents, je pense. C'est dommage que je vois pas ce qu'ils font. Ah, ils reviennent à Tolosa. Ils reviennent là, on va. Non, on va pas tenter le diable quand même. Voilà, on va revenir près de Tolosa. Et ils vont faire le siège du coup de. Oh, ça va être un siège intéressant ça. Ça va être intéressant. Pourquoi j'ai pas les renforts là? Ah purée. J'ai pas les renforts de Tolosa, je sais pas pourquoi. Oh là, j'ai trois armées au complet à défendre là. Bah écoutez, on va tenter le diable. On va tenter le diable, de toute façon on a pas trop le choix là. On n'a pas trop le choix. En plus, si on perd là, on va perdre toute l'armée du coup, comme je me suis, j'ai battu en retraite là. Aïe 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 aïe. Gros coup dur là. Si on perd cette armée là, ça va être vraiment difficile de s'en sortir à l'ouest. Bon, on va bien voir, parce qu'on a des unités quand même supérieures, donc si on arrive à briser le moral rapidement, ça devrait éventuellement le faire. On va voir. Donc on va se déployer, on va essayer de faire ça correctement. Eux on va les utiliser au mieux, c'est à dire qu'on va les planquer déjà dans les bois et on les fera attaquer en second. Les balises, faut à tout prix qu'elles fassent le maximum de dommages rapidement. La cavalerie, il va falloir aussi qu'on l'utilise de manière totalement efficace. Donc la bataille absolument épique et historique qui nous attend là. Où sont-ils? Ils sont là. Ils sont là. Ah, ils ont de la cavalerie. Ça c'est pénible ça. Ils ont de la cavalerie tirailleuse là. On devrait pouvoir défoncer avec ma propre cavalerie, je pense. On va la faire passer dans les bois. Ils ont énormément de cavalerie. Les renforts arrivent derrière là. On va tout de suite commencer à envoyer les tirs d'artillerie. Allez, on va tenir bon les amis. On a des chances quand même d'y arriver. On va juste légèrement avancer nos lignes ici. Ils
Serait-il en train de charger? Non, ils ont commencé à accélérer, mais ils n'ont pas été plus loin. Ah, ils ont de la cavalerie tarentine de tous les coins, là. Ça va être pénible, cette force-là. J'espère qu'on va pouvoir l'utiliser de manière épique aussi. Là, on va les charger avec la cavalerie, leur cavalerie tarentine sur le côté, là. Espérer que ça va être efficace. Parce qu'ils vont venir charger les balises, je pense. Il va falloir qu'on défende ça de manière efficace. Allez, c'est parti. On va lancer l'attaque sur leur ligne. Ah putain, ils ont réussi à passer là. Ils ont réussi à passer. Allez, on va envoyer nos unités ici. Ah putain, il faut faire gaffe là parce qu'on est en train de perdre la cavalerie. Voilà, on va envoyer. Ah putain, ça c'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout. Je me suis fait exterminer ma cavalerie là. Voilà, on continue les tirs d'artillerie. Il y a une petite cavalerie qui a disparu là. Ah par contre ouais, ils sont en train d'éloigner mes légionnaires là avec leur cavalerie. C'est bien qu'on puisse les exterminer là. Ici on va aider nos légionnaires. Faut que mon général soit un peu plus en avant là. Ah ils sont pénibles de me faire courir comme ça là. En plus, il y a les renforts qui vont arriver bientôt, là. On est mal barré, c'est moi qui vous le dis. On est mal barré, c'est moi qui vous le dis. On va essayer d'utiliser notre général comme il faut. Ah ouais, avec leur, ils ont beaucoup trop de tirailleurs là, ça va vraiment être compliqué je pense. Leur cavalerie là qui va être très difficile à contenir. Là c'est pareil. Et puis ils arrivent au fur et à mesure en plus là. Là ils sont en train de charger mes tirailleurs, ce qui est normal. Là il faudrait qu'ils, ça serait bien qu'ils se grouillent là. Ouais, attention là aux... Attention aux balistes là parce que... Il y a du French shot là j'ai l'impression. Allez les gars, peut-être des tirs enflammés ce serait encore mieux. Ouais j'ai perdu des... J'ai perdu des unités ici. Attention mon général. Faudrait pas qu'il se fasse défoncer. Ici on a quoi? Putain ils sont en train de cavaler comme des débiles là. On ramène ça par là. Putain mon général il a pris une grosse charge là. Et il est mort. Ah putain. Je fais n'importe quoi. Là bas mes tireurs sont fait défoncer. Alors la perte de mon général ça va pas être génial ça. Allez faut qu'on arrive à revenir rapidement. Là j'ai des unités qui sont pas utilisées là. Là il faut que j'arrive à m'extraire de là. Parce que là j'ai des unités non utilisées. Voilà. Faut qu'on aille aider sur les côtés. Là ils vont venir charger ma baliste. Même pas, ils sont complètement cons. Voilà, là on charge par derrière. Oh putain il y en a d'autres qui arrivent là-bas. Faut vite que ma cavalerie revienne là. C'est bon. De toute façon, même si je la gagne, j'aurais perdu quand même pas mal d'hommes là.
suis en train de me faire atomiser. Mes balistes n'ont plus de munitions. De toute façon, même si je les récupère, ça ne rend pas à grand chose. Mais le GNR tient bien le coup quand même, donc ça c'est une bonne chose. Il y a encore pas mal d'unités qui arrivent par là-bas là. Je sais pas si on en verra le bout. Non, on va continuer d'aller harceler là-bas là. Allez. Nom de Dieu. Allez, continue à nous asperger de flèches là. Je pense pas qu'on va la gagner celle-là. Ouais, ils ont réussi à choper ma baliste. Bon, eux non plus, ils auront plus de munitions à un moment donné, donc faut espérer que ça arrive assez vite. Ils avaient que de la cavalerie en fait, hein. C'est pas croyable. Oh, il y en a encore davantage qui arrivent là. On n'en verra jamais le bout. Là on va pouvoir rappeler eux là. Ils vont pouvoir aller. Ah putain, je suis en train de perdre mes légionnaires. Je suis en train de perdre mes légionnaires. J'ai perdu une légion complète, pardon, là. C'est pas glauque du tout. Ouais, ils étaient beaucoup trop nombreux, là, je pense. Bon, en même temps, vous allez me dire, ça va me faire des économies, effectivement. Mais pour rattraper ça, ça va être bien, bien chaud. Ça va être bien chaud. Ah voilà, on a perdu tout le monde. Il reste que les balistes. Ouais, on s'est bien fait écraser là. Enfin, on a quand même pas mal tenu, je pense. On a pas mal tenu. On a tué combien? 1900. Ouais, on a tué pas mal de monde quand même. On a, je pense, défoncé une de leurs armées complètes. Mais c'est la deuxième vague là, à mon avis, qui nous a explosé. Et là, on va pas pouvoir, on va pouvoir se barrer. Ah si, on arrive à se barrer quand même. Ouais, ils reviennent nous chercher du coup. Donc là, ils vont prendre Vercellum. C'est ce que je pensais. Ce qu'on va faire, on va quand même faire la bataille. On va quand même faire la bataille pour comment dire, essayer de faire quelques dégâts quand même sur leurs troupes. Ça va pas être énorme, mais putain, ils ont plein de cavalerie. Ils ont quand même beaucoup de cavalerie là. Ces armées là. Ah, il m'attaque encore sur le brouillard, sans déconner. Ils sont où? Ils sont là. Ok. Alors on va pas pouvoir faire grand chose honnêtement. Mais voilà, si on arrive à faire quand même quelques dégâts, c'est toujours ça de gagner. Toujours ça de gagner, donc c'est parti. Alors on va avancer un peu le temps, histoire qu'on reste pas planté là 3 heures en attendant qu'ils arrivent. Donc ils vont attaquer par là. Ouais, ils arrivent tous par là, ils vont passer là, là, là et ici. Déjà, on va voir si on peut les asperger comme ça. Ça m'étonnerait. Ils seront pas à portée, je pense. Donc, on va essayer de se mettre là. On va venir ici aussi. On va venir former des carrés là. Empêchez-vous. Voilà. Attention à mon général. On va remettre vitesse normale. Ouais, ils sont en train de se faire déjà. On est déjà en train de se faire allumer de toute façon.
Bon, si on arrive à faire encore une fois quelques dégâts, pourquoi pas, on va passer par là. Ouais, c'est mort, là. Ils ont trop de cavalerie lance-missile, c'est pénible ça. Allez, on envoie tout le monde. Le but encore une fois est de faire des dégâts. Donc si on arrive à en faire un maximum, c'est parti. Cavalerie tactique anti-cavalerie, pardon. Là on va finir charger sur le flanc. Même si à mon avis ça va pas faire grand chose. Ouais, ils arrivent à me charger par derrière là. Classique. Mais efficace. Allez, faut avancer là. Ils sont en train de m'exploser avec leur flèche là-bas. Enfin leur projectile plutôt. Allez, on charge comme des gros bœufs. J'ai perdu mon général. Allez, elle me dit un petit coup de... Non, ça, le coup de fouet, ça les a... Le coup de fouet, ça les a achevés, je crois. Voilà, donc c'était pas mal. Donc on a encore perdu une région très importante. En plus, c'est là, parce que c'est une des régions dans laquelle on recrute les légionnaires. Donc ça, c'est pas cool. Ah, c'est massilien, là, putain. Quand je les aurai défoncés, ça sera une bonne nouvelle. Ce sera une très bonne nouvelle. Voilà. Donc on perd Vercellum. Comme je disais, une province importante. Allez, c'est bon, vous avez fini vous. Vous avez fini votre tour. Barrez-vous maintenant, c'est bon. Voilà, fatalement. Alors du coup on a perdu un général bien sûr. On va être obligé de recruter. D'en recruter un nouveau. Allez, on va prendre donc c'est Publius Lucinius Crassus. C'est parti. Sur cheval. Alors, je vais peut-être amener mon espionne aussi par là, là, qui pourra nous aider un peu. Alors ici à Tolosa, ça bouge pas mal là. Cette armée-là, elle est complètement décomposée. Ici, ils ont morflé aussi. Là, ils sont au complet. Ici, ils ont bien morflé. Donc, de toute façon, eux, ils vont venir en secours, là. Donc, je pense qu'on va avoir une belle bataille de siège à Tolosa, là, au prochain tour. Sauf si on demande une trêve. Je pense pas que ce soit possible, maintenant. C'est modéré. Parce que moi, j'ai bien envie de leur de demander la paix et de les poignarder dans le dos, comme ils l'ont fait avec moi. Ah, parce que là, je serai jamais à temps. Ils vont continuer de grappiller mes territoires, là. C'est vraiment pénible. On va essayer quand même. On va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est la meilleure chose à faire, je pense, maintenant. Ouais, ils ont accepté. Ils ont accepté. Bon, bah, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que bah, ça va me permettre de regrouper mes troupes. Et de faire ce que j'avais envie de faire déjà depuis quelques épisodes. Vous inquiétez pas, c'est vrai que c'est un peu lâche ce que j'ai fait, mais c'est pour éviter de perdre trop de provinces d'un seul coup là. Donc du coup on a reculé un peu, ici ils ont avancé, il va falloir qu'on ramène à tout prix Marc-Antoine le plus vite possible ici. Ouais, là par contre il va crever. On va passer par là. Voilà, alors est-ce qu'on peut recruter? On va recruter, il faut qu'on recrute de toute façon ici parce qu'on a perdu pas mal de monde. Baliste c'est bon, ça c'est bon, tirailleur c'est bon, eux ils servent pas à grand chose. On va recruter une unité de tirailleur à la limite. Lui on va améliorer son niveau. Donc Massilia maintenant si je veux leur déclarer la guerre... 8 tours. Pap, 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 pap. Alors du coup on a perdu un bâtiment vital là.
Ah non, il est toujours là, il a Medlan. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est ça que je voulais chercher, les corps baraques. Là, ça va être difficile de faire de la recherche maintenant. On passe le tour, on va bien voir. Les Arvernes, attention, non, c'est bon. Les Suèves non plus. Ouais, du coup, il y a une... On a une rébellion à Argento Raté, là. On va pas pouvoir y faire grand chose de toute façon. Donc Massilia qui bat en retraite. Enfin, c'est plutôt moi qui battu en retraite. Voilà, on a une rébellion Argento Raté. Alors je crois qu'elle a été annihilée du coup. Presque. Bon, ils ont pas grand chose. Alors par contre, il va falloir qu'on s'en occupe quand même parce que. Si on laisse ça dans l'état, ça va être compliqué après de la vaincre. On va ramener César à Vesontio. Est-ce que ça fait partie de Vesontio ici? Non. Ok, ça va être compliqué dans les prochains tours, là, je pense, de garder leur public correct dans toutes les villes. À la limite, je peux peut-être essayer... Ouais, ça va pas changer grand chose. Donc ici on va avoir une rébellion assez vite aussi. Ouais, eux, ce serait bien que je puisse les dégommer rapidement. Ah, j'aurais pu le faire avec Marc-Antoine éventuellement. De toute façon, il faut à tout prix que je le ramène à Octoduron, lui. Là, je vais également recruter donc un autre comment dire je perds à chaque fois prêtricien, voilà. On va prendre celui-là, je pense. Hop. Ah, en plus, il a un niveau supplémentaire. Nickel. Plus un autorité, c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Donc, il ira rejoindre l'armée de Marc-Antoine. Ici, donc, celui que j'avais recruté. On va le mettre dans l'armée de Jus Brutus. Voilà. Donc, vous allez voir, au fur et à mesure, ça va diminuer, en fait, le coût des armées. Donc, ça, c'est vachement important. On va ramener notre espionne par là. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est bon. Ici, on ira récupérer cette province-là. J'ai plus d'argent, donc on va passer le tour. Ouais, tout le monde est contre moi, là. C'est un peu, en fait, le challenge, en fait, de cette campagne. C'est que tout le monde est contre vous, à un moment donné. Et que ça devient très compliqué à gérer. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien créer une autre légion, là. Très vite. Et le fait d'avoir des patriciens dans mes armées va fortement aider à ça. Ok, donc là pour l'instant c'est assez calme. Ouais, il y a une rébellion là qui va se propager, je pense, mais c'est normal. Eux, du coup, ils sont en train de recruter voilà, des troupes. C'est pour ça qu'il faut que je me dépêche d'aller les intercepter. C'est pas trop grave à la limite si je perds Duroc Toréron là. C'est plutôt Rurikon que j'ai pas envie de perdre parce que j'ai une région complète là. Marc-Antoine ici. Toi avec Marc-Antoine. Ou pas. Pourquoi tu peux pas? Pourquoi je ne peux pas? Ah, c'est parce qu'il est en marche forcée. Zut. Bon, pour l'instant, on va le mettre comme ça. Voilà. Ah oui, ah non, parce qu'il y a un champion, autant pour moi. J'ai un champion dans l'armée, donc forcément il peut pas y aller. Ici il y a un champion aussi. Là mon champion, je vais m'en servir, je pense, pour foutre un peu la grouille chez les adversaires. Tout simplement. Lui. Non, pour l'instant il peut pas y aller. Bon, c'est pas grave, on fera ça au prochain tour. Tac, 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 on est bon. Ici, donc, il y a déjà... Lui, il va falloir que je recrute, là. Cavalerie. Et donc, j'ai pas beaucoup d'argent pour l'instant. On va prendre deux unités de légionnaires. C'est bon. Ah, putain, j'ai des slums ici aussi. Il faut que je m'en occupe, parce que ça me coûte un fric fou, ça. Voilà, voilà.
C'est pas mal. On repasse le tour. Ah, ça devient carrément intense cette campagne là. Ah putain, voilà, donc là ils viennent piller mon village. C'est lequel celui-là? Ouais, je dis c'est pas trop grave si je le perds celui-ci. Alors même s'il y a des ressources. Bon, je vais pas la faire parce que là, à mon avis, de toute façon, on va pas pouvoir faire grand chose. Après, faudrait pas qu'ils descendent par contre plus bas. Ah oui, et puis j'ai plus de nourriture. Putain, le sort ça va sur moi, je vous le dis moi. Le sort s'acharne sur moi. Il nous faut de la bouffe. Il nous faut de la bouffe. Ah oui, non, ça je vais en trouver en démolissant ça. Parce que ça m'enlève de la nourriture. Hein, voilà. Donc ça va passer rapidement. Donc mon patricien cette fois-ci va pouvoir intégrer l'armée de Marc-Antoine. Parfait. Pourquoi j'ai une grosse baisse de revenus là? Ah oui, j'ai perdu du coup. Ah oui, c'est cette zone-là qui m'a fait perdre autant d'argent. Cool. On va aller les exterminer. Puis du coup, on verra César peut-être là-haut pour recapturer la province perdue. Allez, c'est parti. Bon, on va la faire. Il nous reste combien de temps? 4 minutes. Ça va aller assez vite, je pense. C'est parti. L'armée de César étant relativement puissante. Ça part un peu dans tous les sens pour l'instant là. Faut vite qu'on se relève de tout ça là. Alors on va attendre, on va pas se battre dans le brouillard. On attend pluie sec, parfait. Temps sec, c'est nickel. Donc ils sont juste en face. Ouais, avec la baliste au premier plan, comme d'habitude. On va mettre notre cavalerie sur le flanc. Qu'est-ce qu'ils ont en face là? Ouais, ils ont un peu de cavalerie. Ils ont beaucoup de cavalerie. Ils ont beaucoup de cavalerie. Donc cavalerie, pardon. Hop. Mais nous, on a un Hulk. Alors, voyons ça. Pareil, encore une fois, le but ici est de perdre le moins d'hommes possible. Là, ils arrivent comme des grosses buses là. Ils sont assez, ils sont assez agressifs avec leur cavalerie là, comme vous pouvez le voir. Ils sont très agressifs avec leur cavalerie. Putain, il y en a d'autres qui arrivent par là, là. Attention. Ah la vache, les salauds. Les salauds. Purée. Attention à César. Ne partons pas dans des délires incompréhensibles. Hein. Hop.
La cavalerie, on va s'occuper de là-bas. Ici, attention à la baliste aussi qui est en train de nous auto-poutrer là. Ici, on va aider nos petits amis les légionnaires. Toi, tu peux revenir, c'est pas la peine de poursuivre. Ici, là, 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 voilà. La baliste, tu vas pouvoir arrêter de tirer. Ah putain, qu'est-ce que je perds là? J'ai perdu des légionnaires là. C'est pas possible ça. Là c'est bon, là c'est bon, là-bas c'est bon. Il faut juste qu'on les extermine tous. Jusqu'au dernier pour pas qu'il y ait de reste là. Alors on continue juste pour poursuivre le reste. Là par exemple. Là c'est bon, je cherche les survivants éventuel, là-bas ça se barre. Ici on les a tous eus. Bon, ça semble pas mal. C'est quoi l'unité que j'ai perdu là? Alors j'espère que je l'ai pas perdu en totalité par contre. Ah oui, c'est une unité de légionnaire là. Ouais, par contre elle est salement amochée. J'espère que je l'ai pas perdu. Voilà, on les a défoncés. Non, c'est bon, je l'ai pas perdu. Je ne l'ai pas perdu. Donc, on va repartir. On va rebrousser chemin. Et on va retourner capturer la province qui est là-haut, là. Il faut à tout prix qu'on la récupère. Parce qu'elle a été source de richesse, cette province. Donc, tac, 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 tac. Bah écoutez, c'est pas mal ce qu'on va faire. Alors lui, il a progressé de niveau, ça c'est bien. Parce que du coup, on va rapidement pouvoir passer... On va pouvoir rapidement passer sur les améliorations justement pour... Pour récupérer de l'argent des troupes. Donc ça c'est parfait. On va juste mettre en place nos... agents aux différents endroits. Voilà. Donc écoutez, on se dit à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Donc on va, il faut à tout prix qu'on récupère nos positions là au sud. Donc ça va se faire bien sûr par la guerre. J'espère que César va tenir le coup au nord là. Maintenant il est tout seul. Il n'y a plus comment dire son ami Marc-Antoine pour l'instant pour l'aider, mais on saura le renvoyer bien entendu bien sûr. Il va falloir que je crée une cinquième légion je pense. Très vite là, je sens que ça commence à manquer parce que vous voyez il reste encore toute cette partie là de la Gaule à conquérir, donc on y est très très loin, on en est très très loin encore. Donc il va falloir qu'on soit un peu plus agressif. Donc je vous dis à la semaine prochaine les amis pour la suite de notre campagne, et d'ici là portez-vous bien, salut à tous.